73, là on est sur l'autoroute du Nord en train de redescendre vers Reims. Alors je sais qu'il y a du monde du côté de Reims, on va bien voir ce que ça donne. C'est l'autoroute A34. Ah, pareil, pas du même. Attendez, on est bon, on met.
cuando ya no puedes haber solo todo tangado y hacer ese truco. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui vous lance appel. CQ10, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dundee 33 lance appel depuis l'autoroute à côté de Reims. J'ai pas compris, la ville d'Orléans, c'est ça? Oui, les 73-51 à vous, on fait un petit QSY sur la fréquence de votre choix. QRZ, 14 Sud 51, Sierra Uniforme Delta 51, Pascal appelle et passe à l'écoute. Oui, attention, Sud 51, Pascal, pour 14 km 3301, opérateur Rémi, sur l'autoroute à côté de Reims. Sur l'autoroute à côté de Reims, la passe sur la 540, ok. Oui, c'est parti pour eux. Voilà, je suis rendu. Oui, la station sur l'autoroute, vas-y. Oui, les bonnes 73-51 à vous, de la part de 14 Kilomike 3301, opérateur Rémi. En mobile sur l'autoroute, ouais, à côté de Reims et en direction d'Orléans. Ok, 14 km 311, en mobile, 73, ici c'est le département 08 des Ardennes, 14 Sierra Uniforme Delta 51 Pascal. Voilà. Bien compris pour QTH à proximité de Reims là. Je suis à peu près à 60 km de toi là, ok? Ok, voilà, on dit, pour le QRZ local, c'est Dundee 33, voilà, sur la Gironde. Alors là, on va faire une première étape sur Orléans, et puis demain matin, on redescend sur le sud-ouest. Ok, d'accord, mais écoute, hier, il y avait une très bonne propagation, il y avait tout le sud-ouest qui passait, Toulouse, Bordeaux, le bassin d'Arcachon, ça pétait le feu toute la soirée, là, ok? C'est comment déjà ton prénom? Georges Chagnon. Oui, enregistré Georges. Pour le prénom, c'est Rémi Romeo Echo Mike Yankee. Voilà, Rémi. Oui, affirmatif, puisque hier, j'étais sur la Belgique, là, du côté de Bruxelles. Là, on est en balade. Et oui, ça arrivait vraiment de tous les côtés. C'est toute la moitié sud de France jusqu'au centre France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ça arrivait de partout hier. Alors qu'avant-hier, là, on se baladait du côté de l'Allemagne et là c'était le vide complet. Retour. Ah, Kérémy avec le 100% affirmatif. Hein. Ah, je sais pas ce qui s'est passé hier, hein, mais c'était exceptionnel. Hein. Vraiment, vraiment exceptionnel. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Voilà, voilà. Et ben moi, je suis revenu de Sicile avant-hier, puisque j'étais sur la Sicile.
dont je suis régulièrement, et j'ai pratiquement pas eu de propagation de la semaine. Et puis là, il suffit que je revienne pour que la propagation revienne aussi. Bah, j'espère que ça va durer, que ça va aller dans ce sens-là, et que ça va s'améliorer, et qu'on aura de plus en plus de propagation jusqu'à l'été, là. Voilà, Rémi, je vais repasser le micro à Georges, qui s'est signalé. Vincent 13, Georges, j'espère que tu vas bien. Je te retourne au micro, c'est 17 sud 51. Et je suis avec 14 kilomacs 33-011. 14 kilomacs 33-011, Rémi. En mobile, à toi le micro, Georges. Oui, ok. Ok, Pascal. Merci. Je retourne au micro déjà clé. Les choses en train des bonnes amies et chiant sur l'eau. Sur 1351, Georges, de 14 kilomètres 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 sur la Gironde. Voilà, et là je suis sur l'autoroute qui contourne Reims en direction, là on arrive du nord, là, et là on va en direction, on va sur Orléans. Là. Après, bon, c'est pas grave, je vais être passé. J'ai tout préparé là.
Oui, affirmatif, ça passe toujours de mon côté. Par contre, j'entends un autre QSO, là, très QRP, là, dans le lointain, comme quoi on n'est pas tout seul sur les ondes, à Chitroico. Et tout à l'heure, justement, là, j'étais plutôt du côté des 40 canaux. Et je ne sais pas si c'est des stations qui sont en transit de ce côté-ci ou un petit effet de propague, mais j'avais l'Italie là, qui m'arrivait plein pot, là, ici. Hein. Pendant un moment, j'ai cru là, que j'étais en train de commencer à vous perdre. Surtout que là, c'était un petit peu la cacophonie avec, ben oui, certainement les Italiens là, qui sont en train de bien passer derrière. Là. Voilà, ok, ouais, effectivement, là, c'est beaucoup mieux. Hein. Ouais, c'est mieux pour toi, mais ça doit pas être bien bon pour Pascal. Pascal, tu m'entends pas? Ben non, elle est dans l'aide. Ça m'étonnerait que mon aiguille ait tricoté. Ben, si je t'entends. Parce que je suis à la fois dirigé vers toi, puisque je suis dirigé du côté de Rémi. Et en plus, je suis moi-même en verticale avec la quad. Hein. La quad est en verticale, donc il n'y a pas de problème. Je t'entends bien, Georges. Tu peux rester comme ça. Pour ce que tu m'as dit là, précédemment, je suis à la maison. Hein. Voilà, Pascal, à toi. Ce matin, j'ai pas mal de taf.
sur l'ordinateur. Voilà, donc Pascal, non, pas de souci. On est là, puis ben Madeleine sera là aussi, puisque elle s'en va qu'elle part que cet après-midi, en début d'après-midi. Voilà, ben je vais retourner sur la mine. Voilà, et puis je vais aller retourner en bas parce que je t'ai entendu. Je t'avais reconnu, j'étais en bas, tu sais, où il y a le portable en bas, là, le PC. Là. Vas-y, oui. Bon, j'ai ma soeur. Bon, vous avez tout entendu. Donc j'ai ma soeur qui est là. Donc je vais aller faire un petit bisou là. Bon, Pascal, pas de souci. Mais quand je te retourne le micro, Rémi, maintenant je vais retourner sur Rémi. Puis Pascal, je te dis à tout à l'heure. Vas-y, Rémi, à toi. Ok, merci pour le retour. Donc, alors pour la petite anecdote hier avec la Propag, alors quand j'ai vu que la Propag était là, on était stationné derrière le Parlement à Bruxelles. Comme quoi, les voix ont porté de ce côté-là. Quoi. Ah, chie trois coups. Ok, ben je vais passer. Bon, tu as du monde qui est arrivé. Je vais passer là en QRT, continuer ma route là tranquille en direction d'Orléans. Donc, je vous envoie des bonnes soirées 51 à vous deux. Merci pour ce QSO. Et à la prochaine sur les ondes ou peut-être via Internet. Hein. Non, on ne sait jamais. Avec la Propag, sans Propag, chie pour Internet. Et bonne journée à vous deux. Ouais, c'est Georges Carpon qui arrive. Je m'excuse d'avoir monté tout à l'heure sur Pascal. J'espère que t'as pas mal au pied. Avec mes 85 kilos. ok, dis donc, t'es bien remonté, hein, Rémi, là. Voilà, dis donc, t'es en face de moi, là, sur la route, là. Allez, sois sympa, bonne continuation, bonne fin de matinée, bonne journée à toi, et puis, ben, ma foi, la route, ben, toujours, hein, comme on dit, hein, la prudence, ma foi, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, là. Vas-y, Pascal, je t'entends le micro, je te dis à tout à l'heure, puis je descends, là, j'étais à la boutique, là, puis je vais aller voir un petit peu, boire le café avec ma frangine, allez, et puis, Manon, bien entendu. Allez, Pascal, à toi, et grosse bise à Florence. Ok, je ne manquerai pas. Bisous à tout le cœur. Merci Georges, à tout à l'heure. 73. Et bon café. Rémi, 73 également, bonne route. On aura peut-être l'occasion de se contacter cet été-là. Quand je serai sur la Sicile, j'étais un petit peu actif durant l'été. Là. Tu pourras éventuellement me contacter. Je suis là-bas sur la Sicile en station fixe pendant 2 mois et demi. Hein. Ça marche très très bien avec toute la France et particulièrement au sud-ouest. Bonne route, à bientôt Rémi, merci pour le petit coucou, ciao. Ok, ben tiens, j'ai l'YL à côté de moi qui vient de me rappeler que depuis la Sicile, on s'est déjà attrapé en fréquence. C'est, tu vois, là, je l'avais zappé et c'est là qu'elle vient de me rappeler là, ce petit passage. Et donc, pas de problème, on s'attrapera à nouveau au prochain passage de Propag. Allez, les bonnes 73, bonne journée. Ah, ok, heureusement que les YL sont là. Elles ont plus de mémoire que nous, mais faut pas le dire, hein. Faut pas qu'elles l'entendent. Parce qu'après, elles vont en profiter. Hein. Ok, sans problème. Moi, j'aurais pas pu m'en souvenir. Je vais te dire pourquoi. Bah, parce que quand je suis là-bas, j'ai pas. La propagation, je fais plus de 50 QSO par jour. Je reste là-bas 2 mois et demi. Et j'ai là-bas depuis des années, des années, des années. C'est mon second QTH principal. Je vais te demander mon contact, avant de contacter les stations plusieurs fois de suite, ou quand je contacte les copains avec qui j'ai l'habitude de parler, bien entendu, je m'en souviens. Mais c'est vrai que je fais tellement de QSO que c'est pas évident de se souvenir. Bon, écoute, si ça passait une fois, ça passera encore. Ben, je suis chez moi dans les Ardennes. Et j'utilise une antenne assez grosse, c'est la même que celle que j'ai en Sicile, en 8 éléments. Hein. C'est une cubicle quad de 8 éléments qui a la particularité d'avoir la polarisation verticale. Donc elle est en verticale, tout comme toi depuis ton mobile. Et je t'envoie toute gamme d'antenne et bien sûr dans ta direction. Mais faut pas croire, on est quand même assez éloigné l'un de l'autre, hein, puisque là je suis dans 0,8. Du côté de Rethel, entre Rethel et Charleville. Allez, à bientôt, bonne route et bonne continuation.
Merci pour le contact. Ciao, ciao. Ok, je viens de regarder, là, c'est du 56, là, quand même, de mon côté, là, dans le mobile. Et avant de QRT, les conditions de trafic, là, de mon côté, c'est un CRT 7009 avec ce que j'appelle la petite boîte de mirror qui suit derrière, qui porte le nom de B550P avec deux marques Zetagi, Hachi. Et pour l'antenne verticale sur le push, et bien c'est la Wilson 5000 mis en perçage. Et là, j'arrive pile au panneau département de Lens. Voilà, bonne journée, merci, bye bye. Ok, bye bye, à très bientôt. Je vais juste remis un petit peu plus tout ça retourner également de 102 EQRA et à la prochaine sur les ondes. Merci, bye bye. Bye bye. Il est 10h20, on dirait qu'il y a un petit peu de propague là déjà. Oui, c'est confirmé. Bien épais pour le moment, mais c'est là. Attention derrière, attention, derrière.
Bravo Delta, nous on s'appelle, attention Jacques, nous on s'appelle, repasse en centrale, attention le père Jacques. Oui, bonjour, j'ai pas entendu de Jacques, hein, place sur la fréquence 73 km. Oui, bonjour, j'ai pas connu. On approche de Paris. De la région parisienne, on est passé à côté de la sortie Sydney. Disney. Ah, je crois que. Ah, ça parle bien français. Là. Sur les stations fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle depuis l'autoroute. Zut, je crois que c'est encore là à 4. Dundee 33. Oui, les bonnes 73. Oui, les 73 SL 95 sur les forums. La folie est 14 km 95 04. Les bons 73, j'ai vécu pas de l'entente, ça fait plaisir de t'entendre. Ok, affirmatif, les 213 de 14, ben, Kilomike 3301, opérateur Rémi, Dundee 33, effectivement sur l'autoroute A4, là on arrive du nord, en direction, là on va en direction ben, on est sur le côté est de Paris, voilà, pour redescendre ensuite sur Orléans, où on fera une étape, et demain matin, direction le QIRA sur la Gironde. Ok, bah tu vois, je me suis
m'entendre, hein. Je regarde toutes tes vidéos, de temps en temps je mets des petits buzz, voilà, je pense que le forum, c'est génial d'ailleurs. Enregistre un break. Super plaisir, je m'étais pris hier, j'ai eu Bordeaux en BMW là, avec ma petite poussée de Pro-Max. Et j'espère que ça quittera par là. Bah non, bah du coup, t'es sur la région parisienne, ça fait plaisir. Oui, et puis il y a quelqu'un derrière, les bonnes surprises 51, la station derrière de la part de Dandy 33, de passage sur la région. Donc oui, ben, si ça ne te dérange pas, là je suis en train de faire justement là, une petite vidéo. Alors quand elle sera mise en ligne, je ne sais pas, chez 3 coups, parce que là je dois être rendu depuis vendredi dernier à bien 10 tonnes de vidéos. Oh. Je ne dois pas être loin de la vérité là. Hachi, c'est depuis qu'on a pris la route, en fait, à propos de route, de mon côté là c'est un petit peu pas mal, beaucoup surchargé. Voilà, et autrement, oui, je disais, depuis vendredi qu'on a pris la route, j'ai eu que du monde en fréquence. C'est même plus que les années précédentes quand on partait en vacances comme ça pendant une semaine. Les gens le disent, hein, mais les gens veulent pas prendre la famille. Ici sur l'IDF, c'est actif, on est un petit groupe de stations. Il y a Alain Montbard, il y a Colibri, qui est notre secrétaire national, hein, tous ces gens-là, je les connais de visu. Il y a France, notre tour de contrôle, qui a une très très bonne station, qui entend tout le monde et qui passe très loin et fort. Il y a Rocky, notre grande gueule, qui s'est pas laissé un blanc entre deux prises de bâti. Enfin, il y a toute une petite équipe ici, hein, on est actif, hein, et également en BLU. Hein. Ouais, ben tiens, justement, tu parles de BLU. Alors là, hier, c'était la cerise sur le gâteau. Hein. Si je ne me trompe pas, ça a dû commencer vers le milieu d'après-midi jusqu'à tard dans la soirée où la propague était vraiment présente. Alors le truc génial, c'est que hier, là, on était sur la Belgique. Et quand j'ai découvert que la propague était là, on était garé pas très loin, à côté du Parlement à Bruxelles. Et en pleine ville comme ça m'arrivait plein pot dans la voiture. C'était génial, hein. Après des mois de disette, moi de mon petit pouce, hein, je crois que ça a déjà vu mes poules. Et voilà, hein, j'ai une petite bagnole sans permis, on a bricolé avec la plaque en voyant pour faire le plan de masse. Et hier, Espagne, Italie, Lisbonne, Québec, j'ai réussi, ça a été super rapide. Québec de la France, hein, la ville de Bordeaux, hein, je ne vais pas vous permettre de trafic, là, je suis en touche professionnelle, hein, je suis en camion. C'était génial hier. T'as aussi entendu le Québec? Affirmatif, il y avait aussi également la Corse. Putain la vache, alors entendre le Québec, là en ce moment, putain là c'est vraiment du exceptionnel. Hein. La vache! Eh bien, en tout cas, là, de mon côté, là, sur la Belgique, là, du côté de Bruxelles, j'ai plus entendu toute la moitié sud de la France jusqu'au centre France, puisque j'ai même entendu quelqu'un appeler Tony, justement, là, d'Orléans. Et autrement, c'était l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais dans une cacophonie totale. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait plaisir, cette cacophonie, Hachi. Nous, ici, sur l'île de France, c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de QRM, d'un peu partout, hein, électronique, enfin, un petit peu tout ce que tu veux. Donc, il y a beaucoup de grandes stations, et ils sont très embêtés, ils se prennent des QRM à 9+. Donc, des fois, vu que c'est une science pour eux, on monopolise un peu le 555, hein, je m'en excuse auprès de tous les OM qui ont des bonnes stations sans QRM. Mais eux n'entendent pas, donc c'est compliqué pour eux. Mais oui, hier, c'était génial, hein, y a eu aussi l'Irlande qui passait, les États-Unis, hein, ça passait aussi, la Lettonie, il y a un collègue du 60, lui il a fait la Guyane, et il y en a un qui a fait le Chili, donc ouais, c'était génial hier. Ok, je crois qu'on s'est croisés, d'un seul coup là j'ai vu le signal qui était à fond, oui, on a dû se croiser. Ah, je me suis arrêté dans un rond-point, je suis juste au-dessus de la table, au niveau Croix-Thibault. Ah ok, ah oui c'est vrai, en plus tu me l'as dit, oui. Ouais, parce que là je vois maintenant le signal qui redescend, donc c'est moi qui ai passé à côté de toi. Voilà, c'est ça.
parce que moi je me suis mis en stationnaire pour pouvoir continuer de te copier un moment. Moi je suis qu'un client, mais bon, plein GI, il faut pas faire. Ok, je vais te laisser y aller alors. Merci pour ce petit QSO. C'est moi en fait, j'ai zappé là pour le coup. Il y a eu quelqu'un derrière qui a lancé appel. La station en avant, et désolé là d'avoir monopolisé un petit peu le canal 19. C'est Alain de Montmartre qui doit être en train de prendre. Ouais, j'entends de l'écho, effectivement. Ok, bah de mon côté, il n'y a aucun QRM. Mais oui, on longe vraiment, vraiment Paris. Là, je vois les immeubles là à côté et tout ça. Là, on est vraiment sur la région parisienne. T'as, ça fait longtemps qu'on n'était pas passé par là. Alors, attends, qu'est-ce que je viens de marquer? Département du Val-de-Marne. Voilà. Et voilà où on est. Et là, je suis en train de vraiment te perdre. Donc, t'es bien sur 1351 à toi et à très bientôt sur le forum. Je te recharge le vol. Donc voilà, c'était un plaisir. J'ai vu que t'es en train de filmer les bons 313 à tous les kilomètres et à tous les amoureux de la City Sunbound. Voilà. Ah ben ça remontait d'un coup. Et là, on arrive en plein bouchon. Voilà, les fameux bouchons de la région parisienne. Il y a longtemps qu'on n'avait pas goûté à ça. Là, c'est rien du tout, hein, parce que c'est les vacances, il n'y a personne, hein, dis-toi que ça roule. Là. Ah oui, c'est vrai, les Greca tout à l'heure m'avaient signalé qu'il y avait eu un accident. Je pensais qu'on était encore à 80-90 km de là. Je me suis dit, bon, d'ici là, ça sera nettoyé. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut laisser le temps à la circulation de se faire. Et donc, ok, les bouchons que je vois là, ça roule bien. D'accord, hachi. Ben oui, par contre, on va... Bah, quand je vois Télio, le pont de Bordeaux, là, bah, ton pont, bah, c'est du quotidien, du permanent, partout et tout le temps. Au moins comme ça t'as le temps de voir le paysage. Oh, je suis sûr qu'il y a des petits détails dans le paysage que t'as pas encore vu. Ouais, ça fait 40 ans parisienne et ça fait 20 ans du coup en banlieue parisienne. Ah, je suis trois coups. Bon, d'accord, je dis plus rien là pour le coup. Ah ben disons que... Attends, je suis en train de réaliser que j'ai la musique là derrière en plus. Disons que il n'y a pas que le CRT 7009 et l'antenne Wilson 5000. Il y a aussi la petite boîte de miroir qui est placée entre les deux qui s'appelle, que j'appelle comme ça, Hachi. Oui, ben oui, pour que ça passe bien, il faut qu'une antenne soit bien lustrée. Hein. C'est très important de lustrer l'antenne hein, pour que ça fonctionne mieux. Alors, je déconne. J'ai le Zetagi B550P là, qui est aussi derrière, que j'utilise à même pas 50%. Ok, bah, de côté, moi je suis pas avec mon CRT 2019, hein, c'est avec un vieux 3009 qui était à 20 modules, j'ai mis le coucou. Voilà, je suis à 7-8 watts et simple Kirio 2XB. Oui, oui, t'as bien raison et merci beaucoup à toi. Là, par contre, ce coup-ci, là, je suis en train de rentrer dans les QRM. Alors, avant de ne plus t'entendre, j'en bafouille. Je te renouvelle les bonnes 113-51 à toi et merci pour ce petit QSO. Merci, ça fait plaisir. La bonne route, hein, la prudence, la tranquille. Oui, oui, je sais, on est déjà venu plusieurs fois là de ce côté-ci. On a même fait le tour de la place de l'Étoile sans bobo. Alors tu vois, je pense que je devrais pouvoir arriver à avoir mon permis au bout du compte. Hachi, merci pour ce petit contact et à la prochaine. À la prochaine, oui. Ouais, voilà, c'est bien ça, là on arrive à la fin. Merci beaucoup, toi aussi, et la prudence. Oui,
à la station, les bus 13 de Dundee 33 de passage sur la région. Bonjour, je disais les 73-51 de la part de Dundee 33, opérateur Rémi, de passage sur la région, donc là je suis à l'est, l'est de Paris. Ok Rémi, ok, t'es en compagnie de Pascal non? Oui, je l'avais juste avant, là, je l'ai perdu, la noyé dans les QRM, il est au loin derrière moi. Aïe aïe, j'en ai un à côté de moi là quand elle me moustachait à bloc. Ben ici aussi, hein, y a du monde sur les 40 canaux. Hein. Oui, les 73, la station que j'ai entendu très 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 QRP là derrière dans le lointain. Je vais rentrer dans un tunnel, dommage. Oui, la station qui m'a appelé là tout à l'heure, là je suis sorti du tunnel. Bon, je sais pas si ça va passer là ce coup-ci. Ouais, la station là qui a appelé Dundee 33 là tout à l'heure, là, voilà. Là je suis pas loin de la sortie Créteil, je veux dire. Voilà, je suis sorti du tunnel là, ça devrait passer je pense là. Ouais, les 73 à station de la part de Dundee 33. Ah oui zut, vu que ça c'est QRP, j'ai un petit peu de QRM, je t'ai pas reconnu sur le coup, hachis trois coups. Je suis moustaché, il y a de tout là, ici. Oh la vache, il y a de la moustache, il y a du QRM. Je dois avoir des stations qui modulent pas loin en même temps. Alors, comment te dire là où je suis, qu'est-ce que je vois pas évident de te donner des indications. Hein. Voilà, je suis face à un pont, j'ai Fontenay, Bobigny, Nogent, le Perreux, Champigny, voilà les panneaux là que je viens de voir à l'instant. Ah,
je vais faire la vite fait un petit tour là en BLU. Ah, c'est compliqué pour entendre quelque chose ici, hein. Et pourtant là j'entends, on dirait qu'il y a un peu de propagande là derrière dans le lointain. Hein. Ah, mais là où tu trouves, c'est pas compliqué. Je suis à 750 mètres de la sortie 4, c'est-à-dire Saint-Maur. Ouais, c'est ça, c'est ça, plus ceux qui font les appels de phare parce que ça va pas assez vite pour eux, ah, je suis trois coups, voilà, là j'arrive à la hauteur, non c'est pas encore là, j'ai encore 1,3 km là, un beau kilomètre à faire avant de sortir, bon bref, là j'arrive à la hauteur de la sortie 4, c'est-à-dire Saint-Maur, Joinville, voilà, je suis à ce niveau-là.
CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur la A10 au sud de Paris. CQ propose un QSY sur le 27565. 27565, c'est parti pour moi. CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en mobile sur l'autoroute A10 au sud de Paris. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur l'autoroute A10 au sud de Paris. Attention Rémi. Oui, les bonnes 73. Jean-Bernard, les bus 1351 à toi, voilà, je suis à peu près à la hauteur du kilomètre 8 sur l'autoroute A10 au sud de Paris. Ça a été très très compliqué là de mon côté, j'ai eu une montée de QRM, du coup là je t'avais complètement perdu là. Ouais, c'est Rémi, tu es à quel niveau au niveau géographique, tu es à quel niveau à l'heure actuelle? Voilà, je remonte en altitude, je remonte le signal à remonter avec. Mais je suis sur l'autoroute A10, allez, on va dire à 9-10 km au sud de Paris. Voilà, et là je m'en vais droit sur Orléans. Alors je suis au kilomètre 11, voilà, sur la A10, au kilomètre 11. Ah, c'est pas de problème, bah, tu vas t'approcher du tunnel, il n'y a pas de problème, on peut rester sur la fréquence. Donc pas de soucis, ok, bah, tu tombes de mieux en mieux, dans le fond, je pense qu'on va continuer à passer au niveau d'une aire de repos qui est à 3 km du tunnel environ, et après, bah, tu te reperdras à nouveau, si t'as pas Ok, ben je suis en train de passer à côté d'un espèce de monument là qui ressemble à des flèches, à des aiguilles. Là, ce chromé, là, sur le côté droit. Là. Voilà, si tu visualises le truc, là, je vais juste passer à côté de ça. Voilà, affirmatif, c'est du côté de Jourdan. Ça, c'est du côté de Jourdan. Je crois que le monument s'appelle les flèches des cathédrales, si je me rappelle bien. Ah bon, ça, donc les flèches des cathédrales, maintenant, bon, il y en a une d'un point à peu près dégagée. Ah, je suis trois coups pour le petit clin d'œil en passant. Comme tu dis, quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui m'est arrivé là comme un boulet de canon. Et 73 de la station là qui est arrivé là sur le QSO de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi. Dandy 33 en mobile sur l'autoroute A10 au sud de Paris. Bon d'accord, je crois que la station, en plus de ça, oui, il y a de la propague en ce moment. Là, depuis ce matin là, que j'ai pris la route, là carrément là, au nord de la France, là, pas loin de la frontière franco-belge, j'entends un petit peu de propague avec l'Italie, tout ça. Hier, ça a été, la cerise sur le gâteau. Hein. J'étais sur la Belgique, sur Bruxelles, juste à côté là, du Parlement. Et quand on est remonté dans le push, département des Yvelines, voilà, je viens de passer le panneau du département des Yvelines.
Et donc, je disais donc, quand on est retourné dans le Pouche, que j'ai allumé le poste, j'ai l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les départements français qui m'arrivaient plein pot, en pleine ville, là, de Bruxelles. Ouais, on a tous un petit peu profité là hier soir. Moi j'ai fait pas mal d'écoutes, j'avais autre chose à faire. J'avais pas vraiment le temps de me contacter à la radio. Mais j'ai fait un tout petit peu d'écoute hier soir. Et je me suis un petit peu dispersé parce que j'ai écouté en même temps toutes les bandes. Il y avait énormément de propagation sur toutes les bandes de route en bande HF. Il y avait du monde sur 21 mégas, il y avait du monde sur 28 mégas, il y avait du monde sur 24 mégas. Et a priori, j'ai loupé le coche. Il y a même un certain nombre de réseaux avec les États-Unis sur 50 mégas. Je l'ai loupé, j'ai pas pensé à remonter sur la bande. Mais j'ai pensé en fait qu'il était trop tard. Et vous serez très tard ce soir, même sur les filles. C'est assez QRP là de mon côté, hein. Ça navigue entre un Septiago de 1 jusqu'à peut-être 3. La radio est de 4, mais bon, ça va, j'arrive à bien. Enfin, je dis radio de 4 parce que j'ai des QRM qui passent en même temps là derrière, qui est pas toujours aisé. Quoi. Et tout à l'heure, tiens, justement, là sur la banque, j'étais là sur l'est de Paris, j'ai discuté avec un OM là, qui était justement là sur le canal 19. Hein. Et il me disait que hier, il a même entendu très brièvement le Québec aussi passer. Comme quoi, oui, ça rejoint ce que tu dis avec les États-Unis, donc le Québec pas loin. Et ça a été très court, hein, le passage du Québec, mais il m'a bien confirmé les avoir entendus. Hein. Alors comme quoi l'activité était vraiment à son maximum là hier. Hein. Alors justement, il y a... parce que là j'ai pris la route la vendredi, direction l'Alsace et tout, on a fait toute une boucle. Et oui, donc la semaine dernière, justement, j'avais vu sur internet que certains parlaient qu'il y avait eu justement une activité solaire. Alors ben voilà, on se la prend maintenant bien agréablement en propague. Donc là, c'est... Et là, aujourd'hui, je sais pas, ça a l'air de... Depuis ce matin, ça mijote. Ça a l'air de vouloir bien partir dans ce sens-là aussi. Tant mieux, on va pouvoir en profiter encore un peu. Et de toute façon, là, on commence juste à remonter tout doucement la pente. Hein. Là, j'ai regardé un petit peu les graphiques là, qu'il y a sur Internet, là, sur les sites de propague. Et on serait là, on commencerait là prochainement à remonter un petit peu. Donc c'est un très bon signe. Hein. Pour les conditions de trafic de mon côté, ben c'est un CRT 7009 avec comme antenne une Wilson 5000. Et là par contre, là, je suis en train d'arriver sur un péage qui va bien me foutre du QRM. Donc là, je risque de te perdre dans quelques temps. Là. Ok, bon, le signal a remonté là de mon côté, c'est impeccable. Ouais, j'arrive droit dessus, je baisse le volume parce que là ça va bien me casser les oreilles. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces parasites? Ah bah oui, qui dit péage dit parasite, hein, oui forcément ça va ensemble. Ok, ça marche, le temps de passer le péage et je te reprends. Ok.
celui-ci était pas trop méchant. Attends, j'ai une voiture, je sais pas. Ils sont chiants, les gens, à pas utiliser les clignotants. On sait pas ce qu'ils font exactement. Oui, donc ça va, ce péage, j'étais pas trop méchant, j'ai pas trop eu de QRM, c'était impeccable. Pas de problème. Bah, juste à l'approche du péage, c'était 55, sinon on est en moyenne, c'était 9h53. Mais voilà, ça s'approche tout le temps. Ouais, bon, voilà, on est à égalité, on dirait. Et encore, heureusement, j'ai un petit appareil en plus, là, entre les deux, là, qui me donne un petit peu la main, on va dire. Affirmatif, on pourrait être à peu près 10 ans. Au niveau rayonnement d'antenne, oui, je confirme. D'ailleurs, je ne cherche pas à avoir plus, hein. Ça ne sert à rien. C'est du moment que j'ai fait plusieurs essais justement de mon côté sur la Gironde, et régler comme c'est, à chaque fois, je tombe pile poil. Des stations, quand je commence à les perdre, des stations fixes, quand je commence à les perdre, mais moi c'est pareil, je commence à les perdre avec. Donc pour moi là, c'est très bien comme c'est. Autrement dit, je rentre qu'à 50% dedans, et en sortie sur 6 positions, je reste sur la position 4. Donc là, c'est vraiment raisonnable. Attends, je passe au large d'un camion parce que j'ai l'impression qu'il est bien occupé au volant. Là, je le voyais zigzaguer, là. Ok, c'est bon. Voilà. Disons qu'en mobile, il faut un peu plus que ça quand même pour arriver à égalité avec les stations fixes qui sont pour la plupart équipées de DK Hachi. Ok, voilà, je me suis aligné sur la fréquence. Eh bien, au niveau de l'affichage, je suis sur 27565.3. Voilà, eh bien, je vais le garder comme ça. Ok. Sur la Gironde, personne n'avait parlé de ce petit décalage. À chaque fois, on me disait que c'était bon. Hein. Juste avant ça, j'étais sur 27565.2. Comme quoi, tu vois. En toute façon, trouvons un poste mobile, que ça soit poste CB ou transsévère qui navigue pas un petit peu en fréquence. Hein. là, je crois qu'ils le font tous. Hein. Ou alors, il faut carrément mettre le gros décal en voiture, mais je ne suis pas habilité pour ça, quoi, on dira. Enfin bon, bref, je suis pas fouillé. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas, de toute façon, l'essentiel, à proximité immédiate de la fréquence, et au pire on rattrape au clarifieur, et c'est fait pour Hachi. Bah, effectivement, j'ai retiré le RIT là, quasiment la tonalité, on est pas loin. Il y a un petit jouillard encore, mais c'est pas grave, ça a aucune importance. L'essentiel c'est qu'on soit à peu près tous les deux sur la même fréquence, il y a des gens qui veulent nous dire bonjour. Quand tout le temps que tu as tenu le micro, ça n'a pas arrêté de couiner. Voilà. Non, mais c'est. Je veux du clarifier, moi ça me dérange pas. C'est vrai que j'envoie de mon côté
C'est la prononciation anglophone de radio amateur.
Alors, si on s'amuse à aller dans ce sens-là, à être bien ailleurs dans ce sens-là, ça veut dire aussi, mais qu'est-ce qu'il y a énormément de radioamateurs sur la Sibie, et plus qu'on ne croit. Ah, je plaisante. Je vais pas te contredire, Rémi, puisque j'en sais pas. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier non plus que la Sibie est un vivier aussi de futurs radioamateurs. Il y a des gens qui sont valables, qu'on peut essayer de les emmener vers le haut aussi, de les amener à travailler un petit peu, à passer la licence, à s'améliorer techniquement, etc. etc. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça, il y a deux raisons pour lesquelles je reste sur cette bande. C'est pas effectivement ce vivier, et c'est pas forcément la raison la plus intéressante. La raison la plus intéressante, c'est que c'est la première bande des bandes hautes, des kilométriques sur lesquelles il y a du trafic quand la propagation s'ouvre. Donc autant en profiter, c'est un thermomètre, et puis il y a des copains sympas, etc. Donc autant ne pas oublier cette bande avec laquelle on a commencé et qui nous a donné tant de plaisir, Gilles. D'un des passages, je voulais te demander si ça ne te gênait pas non plus, effectivement, que je la publie. Donc, tu n'as aucun souci de mon côté. Non, voilà, surtout que là, en plus, là, je viens de faire une relance là, de la vidéo. Non, au contraire, je pars du principe que les vidéos, quand c'est bien utilisé, c'est fait pour promouvoir, redynamiser la radio. Et ça, c'est mon but depuis déjà pas mal d'années. Ça peut être sympa, ça peut amener des gens qui ne connaissent pas à découvrir un petit peu, etc. etc. Donc pourquoi pas, volontiers. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, il ne faut pas tomber dans l'exagération. Hein. J'ai un voisin qui est connu, dès qu'il arrive sur le TX, il pose la main sur un TX, il lance la vidéo et il fait un live. Bon, c'est un petit peu exagéré à un moment donné. Hein. Nous, à la maison, on s'amuse à compter le nombre de secondes entre son lancement d'appel et l'arrivée du live sur Facebook. Voilà, donc faut pas tomber dans l'exagération. Mais de temps en temps, et en particulier quand tu fais des disques, quand t'as je me rappelle quand tu avais les QSO avec Gilles là, au Canada, etc., bah, c'est vachement sympa et ça peut mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de gens. Dernier tour, c'était à 9 plus 10. Quand tu vas passer les airs d'octo, là, prochainement, tu vas voir, tu seras quasiment au niveau du cuir. Ok, si j'ai bien vu, c'est juste un neuf là de mon côté. Ouais, non mais voilà exactement, c'est pour ça que là pour les vidéos, je me retrouve des fois facilement avec 30 morceaux. Parce que j'ai coupé, j'ai enlevé les blancs. Ce qui est trop perso, je me suis tout pas de ça dedans. C'est le but est vraiment uniquement que pour la radio, voilà. Non mais j'ai fait un gros tri dessus. Hein. Et autrement oui, je crois savoir de qui tu parles au niveau des lives sur Facebook. J'ai bien compris, Hachi. Non mais mon but voilà c'est vraiment ça quoi. C'est pour promouvoir, redynamiser la Sibie, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que là tu as fait une vidéo, et bien tant mieux, fais-en autant que tu veux, ça, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour, le break. Il y en a un même qui a fait break, mais qui répond pas. Ok, on va voir en prochain tour s'il voudra prendre le micro. Ok, pas de soucis, t'étais 9 plus 1 au dernier tour là, tu dois vraiment t'approcher. Tu vas voir quand tu vas passer les aires de repos là. Il y a une aire de repos avec station service de chaque côté de la route. Tu seras à 3,5 km de la maison, Rémi. Voilà. C'est un plaisir de pouvoir te contacter et que tu passes aussi près du QRA. Dommage que j'imagine, vu que tu es sur l'autoroute, que tu n'as pas le temps de t'arrêter et tu as un timing pour rentrer à la maison maintenant. Et j'imagine qu'il y a le bruit qui t'attend derrière. Mais la prochaine fois que tu passes dans le coin, n'hésite pas à m'en tenir au courant. Tu vois le coin où je suis entre Chartres et Orléans en gros. Et ben tu me tiens informé, tu passes à la maison, tu es le bienvenu et attendu bien évidemment. Ouais, merci, c'est super sympa, c'est super QRO, ben oui, la radio c'est ça aussi. Alors j'ai regardé, tu m'as fait une pointe à 9 plus 10 là de mon côté, hein. Comme quoi c'est pas mal, ouais, je suis vraiment pas loin. Alors attends, 2 secondes que je regarde, RE des plaines de Beauce, 2 km, voilà où je suis. Voilà, et ben là c'est exactement à côté du QRA, hein.
cette aire des plaines de Beauce, elle est dans une commune qui est voisine de la mienne, et il y a 3,5 km à peu près qui nous séparent. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est assez amusant, j'habite un village qui s'appelle, alors tu peux le regarder si tu veux sur Maps, j'habite un village qui s'appelle Mérouville, comme le nom du poisson, le Mérou, et ville derrière, puisque tous les plaines du coin s'appellent quelque chose ville, et Mérouville est à 3,5 km à peu près de cette aire de repos. Et cette aire de repos, eh bien, c'est le relais téléphonique du coin aussi. Mon village n'a pas les moyens, entre guillemets, de s'offrir une... un relais téléphonie mobile. Et donc, si on veut utiliser la téléphonie mobile, eh bien, on est obligé de se connecter sur ce relais qui est sur l'aire d'autoroute et qui est fort loin, ce qui fait qu'à l'intérieur de la maison, en gros, il n'y a pas de téléphonie mobile, c'est pas la peine. À tel point que j'étais obligé de m'installer une micro-cellule, tu sais, une Femto. Je me suis installé une Femto d'Orange de façon à pouvoir avoir un peu de GSM à l'intérieur de la maison, parce que sinon, c'est l'isolement total. Heureusement qu'il y a la radio agit. Tu me lèves de la bouche. Chez moi, bon, je reçois le téléphone, mais bon, c'est pas toujours ça. C'est assez chaotique. C'est, voilà, il faut que j'aille dehors, que je bouge à droite, à gauche, que je grimpe sur un truc, ceci, cela. C'est pas toujours évident. Et effectivement, comme tu dis, la radio passe mieux que le téléphone. On est un petit peu en isolement des fois quand on est à la campagne comme ça, mais c'est pas très mal. Hein. Comme tu disais, pour vivre en région cachée, la formule s'applique à plein d'étages de la vie. Voilà, Rémi, je suis attendu au niveau du gastro, donc je vais te demander la permission au prochain tour de me retirer sur la pointe des pieds. Je vais te souhaiter surtout beaucoup de prudence sur la route. Bon appétit, parce que ça va bientôt l'heure peut-être pour toi de faire un petit quatre routes. Et puis surtout, rentre bien et donne-nous des nouvelles sur le fait que tu sois bien rentré. Je te retourne le micro pour le final, Rémi, avec grand plaisir de t'écouter. Ok, oui, de toute façon, ça sera affiché, hein, il n'y a pas de problème. Et je réalise qu'il est midi et quart. Je ne faisais pas du tout attention à l'heure, là, j'étais bien en train de papoter avec toi. Et du coup, j'ai pas du tout regardé l'heure, et ouais, il est midi et quart. Ok, des bonnes sur 1351, toi, et bon gastro, et ben, à la prochaine sur les ondes ou via Internet. Hein. Et surtout, profite bien de ta propague, je te fais confiance. Merci, bye bye. Ok Rémi, pas de problème, c'est un vrai plaisir de t'écouter et de faire ce QSO avec toi en tout cas. Heureusement qu'il y a les copains pour te rappeler qu'il est l'heure de manger, parce qu'avec la radio on oublie tout. Rémi, trois coups, je te souhaite un très très bon retour, prends soin de toi Rémi, mes amitiés à ton QR1, et puis à très très bientôt, je te fais une grosse grosse bise, à bientôt, salut, ciao. Ok, 73, 202 au QR1, merci, bon appétit, bye bye. Et au fait, j'ai oublié de t'en parler, Rémi. Merci encore pour les documents que ton collègue de travail m'a fait passer. Je t'en reparlerai sur Internet ou sur Messenger. Mais c'est une collection de documents assez extraordinaire et c'est une bonne partie de l'historique d'un radioamateur et hyper connu de la région Gironde qui habitait à Villeneuve-d'Ornon et qui est décédé au mois de mars dernier. Merci encore, merci beaucoup pour ça. Ce sont des documents précieux que je vais continuer à faire vivre. A bientôt, Rémi. Salut, ciao. Ok, ça marche, merci beaucoup, bye bye. Hola, hola.
station d'hiver. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance à Belle. Sur les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel. Appel de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur Orléans. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, Dundee 33 dans sa appel en mobile depuis Orléans. Ils sont tous au gastro. Faut dire qu'il est 12h45. Centre tout droit. Donc là, tu m'as dit à gauche. Regarde, c'est quoi, c'est au. Non, mais c'est un petit marqué. Regarde, le McDo est juste là. C'est là où t'avais fait une tour.
attention à la station fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle depuis Orléans. Attention à la station fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle depuis Orléans. Sur les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis Orléans, depuis le pont de Pierre. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, Dundee 33 lance appel en mobile depuis la ville d'Orléans. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur Orléans. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur Orléans.
CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en mobile depuis la ville d'Orléans. Peut-être. Ah, ça c'est le McDo quand on marche. Ah oui. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis Orléans. Orléans, la source. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en mobile depuis la ville d'Orléans. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur la ville d'Orléans, Orléans la source. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur la ville d'Orléans, Orléans la source. Bon, il y a visiblement un QSO qui est installé derrière dans le lointain. Bon, tant pis, j'irai pas eu en fréquence les stations d'Orléans. C'est pas grave, ils doivent être soit vu l'heure 21h15 devant la télé ou sur Facebook, HI3COU des 73.